C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, 7, 11, 22, again. 8300. Oh my god. Radio, c'est Stade Castel. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD, 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise! What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio CESAD Castel. La web radio du CESAD de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur. info-rugby.com. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du CESAD. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rubi.radioweb.co/lavefi-1. Choisissez US Carca et appuyez sur play. Pour nous réécouter, consultez YouTube. Cherchez CESAD Castel, les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 9e émission de cette année scolaire. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des CESAD, de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Les journalistes en herbe de cette saison 2 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Axel, j'ai 11 ans. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 16 juin 2021. Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 10 ans. Bonjour, il y a Francisco aussi qui fait un dessin avec nous. On a la chance de l'avoir avec nous. Bonjour, je m'appelle Matenzo, j'ai 11 ans. Il y a avec nous Céline Boruste, l'éducatrice au CESAD. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 12 ans. Présente aussi Marion Sébir, éducatrice au CESAD. Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 13 ans. Bonne fête au Jean-François et au Régis, aux manettes, il y a Luc Fuentes, psychologue au CESAD. Et un invité spécial, moi Nolan Créjean, j'ai fait de nombreux reportages pour la web radio. Et j'ai donc été invité pour cette émission et je suis content d'y être. Conseil de santé. Nous faisons cette émission en respectant les gestes barrières, car le virus du Covid court toujours. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Pour cela, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Au programme de cette 9e émission et dernière pour cette année scolaire. Comment écouter? Petite surprise sur Radio CESAD Castel. Pour notre dernière, nous accueillons notre première public. Covid obligé, nous accueillons certains parents de notre reporter. Merci d'être là. Pour débuter, nous allons faire un bilan de cette saison 2 de la web radio.
Puis il y aura les mots de Monsieur Dicko. En fait, dans notre live, nous allons reparler des jeux vidéo. C'est bien de jouer aux jeux vidéo, mais il existe aussi des dangers. Comme nous n'avons pas tout dit, le mois dernier, on remet une couche ce mois-ci. Et puis, console et jeux vidéo, c'est un phénomène de société, donc on parle même dans nos familles. Beau programme, non? Allez, c'est parti. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Bilan de notre radio. Donc cette année, une fois par mois, Radio CESAD Castel a diffusé sur Internet un programme de 30 minutes. Les jeunes sont devenus, le temps de cette web radio, deux petits reporters libres de parole. Donc la web radio, c'est avant tout un projet de service. Nous avons souhaité le proposer à l'ensemble des jeunes accueillis au CESAD. Ainsi, Sohan, Mathieu, Johan, Esteban, mais aussi Hugo et bien sûr Nolan ont créé pour les émissions de petits reportages. Une manière de travailler pour la web radio. Merci à Muriel, l'éducatrice du CESAD, qui a beaucoup travaillé avec les jeunes sur les reportages. Alors, qu'est-ce qu'on a appris pendant cette année au niveau de la web radio? Je pense notamment à Matenzo, je pense à Héloïse et à Nolan aujourd'hui, bien sûr. Eh bien, ça, se servir d'un micro, à pouvoir s'exprimer davantage, à créer pour se faire plaisir, mais aussi à partager ce plaisir ensemble, voilà, et avec des auditeurs qu'on ne voit pas d'ailleurs. Hein. Ce sont des personnes qui restent pour l'instant, sauf aujourd'hui. Merci encore une fois aux parents d'être parmi nous aujourd'hui. Mais en principe, on parle avec des gens avec qui on ne voit pas, pour des gens pour lesquels on ne les voit pas. Voilà. Alors la web radio, c'est aussi apprendre à respecter l'autre et à l'écouter. Et on a aujourd'hui aussi une mention spéciale à faire à Francisco, oui, qui est avec nous et pour qui c'est vraiment pas facile d'arriver à être dans un grand groupe comme ça avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et ça demande beaucoup d'efforts à chacun des enfants de participer à cette web radio. Voilà. Merci à lui. Donc merci, une mention spéciale donc à tous nos reporters et une de plus aussi pour Héloïse, qui avait du mal au début à s'exprimer et qui a réussi en travaillant à dépasser ses peurs. Un grand bravo aussi à Axel, Matenzo, Thibaut et Déborah, pour qui les conducteurs n'ont plus de secret, effectivement. Hein, je leur mettais des petits pièges, notamment à Miss Déborah, avec des prénoms qu'elle ne connaissait pas. Thibaut, c'est surtout sur la longueur des textes qu'il avait à lire, et quand Déborah n'était pas là, puisque tu as été une ou deux fois absent, c'est Thibaut qui a pris le relais, et ça a été super. À Monsieur Axel, qui ne s'est pas trompé sur la date du jour, ça c'est un événement quand même. Et à Matenzo, qui est arrivé en cours de route et qui a appris à se servir de tout ça, de la web radio, assez prodigieusement. Donc félicitations à vous et voilà, c'est tout. Alors on va continuer. Donc Radio CESAD Castel, c'est 9 émissions avec des thèmes où nous avons pu présenter chaque jeune, Léo, Noam, Théo, Andy. Nous avons aussi parlé du foot, Déborah nous a parlé de Naruto, évidemment on a abordé le Covid, les planètes, un gros travail fait par les enfants avec Muriel sur les planètes. Nous avons parlé de Noël, de la chandeleur, de l'alimentation et donc enfin sur le dernier thème, c'est les jeux vidéo qu'on va encore plus développer ce matin. La radio CESAD Castel, c'est aussi la web radio qui s'est mise à la page par rapport au Covid-19 et qui était tout le temps présent même pendant la pandémie et qui fait lien avec donc les 3 CESAD qui existent dans l'Aude, les CESAD Ouest Audois. Oui, puis bien sûr, on espère continuer ce projet-là l'année prochaine. Mais ce sera selon la motivation des reporters, puisque les micros vont rester éteints à partir de cette fin de matinée. Alors on compte tous sur vous.
pas de présentation de reportage pendant cette émission en principe, sauf si on a un petit peu le temps, parce que j'ai trouvé un petit reportage juste ce matin, donc personne ne le sait, sur les bienfaits et les méfaits des jeux vidéo. Donc si on a le temps, si on est trop à la bourre, on n'aura pas le temps de le passer. D'accord ? Par contre, vous retrouverez le très long reportage et intéressant de Déborah. Déborah, tu peux me dire le thème de ton reportage ? Les animaux en voie de disparition en instantané. Voilà, impeccable. Vous retrouverez donc directement celui-ci sur YouTube. Matenzo, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu le vois ? T'as la bonne page ? Qu'est-ce qu'on fait ? Monsieur Dico, êtes-vous là ? C'est à vous de nous expliquer des mots sur les jeux vidéo. Voilà, donc Axel, notre monsieur Dico de la web radio, va vous présenter aujourd'hui le mot « YouTuber ». Et un mot un petit peu plus compliqué, on va parler de dextérité. Alors on commence avec YouTuber. C'est quoi pour toi un YouTuber ? Alors si tu n'arrives pas à lire, c'est pas grave. Tu dis ce que tu penses parce que en plus tu sais ce que c'est. Alors c'est quoi pour toi un YouTuber ? C'est une personne qui fait des vidéos. Oui, c'est une personne qui fait des vidéos et on le voit plutôt où ? Sur quel site ? Site Carcasse. Tu sais, ça porte son nom avec un carré rouge et une petite flèche comme ça. Ça commence par You. Sur YouTube. Ouais, YouTube. Oui, c'est ça, c'est sur YouTube. Donc c'est une personne qui se filme ou s'enregistre et diffuse des vidéos sur YouTube. Tu en regardes, toi, des fois, des vidéos ? Dis-moi un peu le style que tu regardes. Inox. C'est quoi ça ? Inox Tag, un YouTuber. Ah, d'accord, c'est le nom de YouTuber. Alors là, on n'est pas bien parce que je ne les connais pas, moi, hein, d'accord ? Et alors, le mot difficile, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le mot difficile en le lisant, s'il te plaît ? De la dextérité. Exactement. Est-ce que tu arriverais à nous dire ce que c'est ? Non. Non, tu n'y arriverais pas ? Alors, la dextérité, c'est le fait d'être habile de ses mains, tu vois ? Dans dextérité, en fait, il y a le mot doigt. Et les doigts font partie de la main. Quand on joue aux jeux vidéo, on devient de plus en plus rapide avec les doigts. Et je pense là à Monsieur Thibault notamment. Hein. Je me trompe pas, Thibault. Tu dois taper sur les manettes, toi, hein, avec tes doigts, c'est ça ? Sur les touches ? Sur les touches, ouais. Et il y a quoi marqué sur les touches ? Croix, rond. Voilà. Et bien ça, tu vois, le cerveau, il fait tout le travail pour taper sur la bonne touche. D'ailleurs, souvent, quand les enfants, ils tapent sur la mauvaise touche, et bien ils râlent. Voilà. Donc ça, c'était les deux mots, YouTuber et dextérité. Est-ce que M. Dico est satisfait de ces définitions ? Oui. Allez, on va passer à la suite. Je passe d'abord un petit jingle. Radio CESAD Castel. C'est la voix de radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube, des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague ! Radio CESAD Castel. L'interview live. Un thème spécial enfants, ados, les jeux vidéo. On va parler des points positifs. Et on va parler des points négatifs. Allez, merci de me redonner le micro. Sachant que le micro, on va le faire tourner. Est-ce que vous avez souvenir de ce qu'on a dit lors de la dernière émission sur les jeux vidéo et ce qui était bien dans les jeux vidéo et ce qui n'était pas terrible ? Alors, qui c'est qui voudrait commencer ? Qui c'est qui s'en souvient un petit peu ? Je pense à Thibaut. Tu te souviens de ce qui était bien ? Non. Non, tu t'en souviens pas trop ? Axel ? Ben déjà, pourquoi est-ce que vous faites des jeux vidéo ? Vas-y, pour s'amuser. Ah, donc voici un point positif. C'est déjà pour l'amusement, effectivement, le plaisir que l'on a à jouer. Quoi d'autre encore, Matenzo ? T'as une idée ? Des fois, dans certains jeux, on peut se faire des amis, des fois. Exactement. Thibaut, tu nous avais parlé aussi de comment, quand on joue à plusieurs comme ça, on appelle ça jouer en ? Multijoueur. Oui. Mais ça porte un autre nom, non ? C'est pas réseau ? Réseau. Réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est un petit peu autre chose, mais c'est le même principe en tout cas, c'est qu'on peut communiquer entre vous. Monsieur Nolan, est-ce que tu vois autre chose encore comme point positif à jouer aux jeux vidéo ?
Bah, on peut, certains jeux font réfléchir les gens. Exactement. Par exemple, les jeux de stratégie. Ouais. Il y a aussi certains jeux où c'est des casse-têtes immenses. Ouais, ouais. Exactement. Moi, j'irai un petit peu plus loin encore, c'est-à-dire que ça fait réfléchir les gens, mais ça fait réfléchir tout le monde. Parce qu'en fait, même sur certains jeux, je pense à Tetris, à des jeux comme ça, on est sur des jeux de logique. Et effectivement, donc ça développe aussi le cerveau. Vas-y, Matenzo. Et là, on a des jeux, certains jeux qu'on peut s'écrire des messages. Explique-moi ça, je connais pas. Bah, en fait, ouais. si vous voulez envoyer des messages, là, on a des. Donc, tu peux communiquer avec le clavier et taper des messages tout en jouant. D'accord, impeccable. Tu connais ça, Nolan? Oui, il y a beaucoup de jeux, par exemple, sur. Comment expliquer? Par exemple, Apex Legends. Oui. Il y a un petit chat en plein Battle Royale, vous pouvez écrire des messages. Un petit chat, c'est ça. Le chat, c'est pouvoir discuter entre joueurs. D'accord. Ok. Déborah, est-ce que tu joues, tu te souviens du jeu que tu nous avais présenté? Non. Alors, à quoi tu joues, toi, par exemple, comme jeu? Moi, je joue à aucun jeu avec mes frères. Tu joues à aucun jeu avec tes frères? Non. Ah, donc tu es en train de nous dire que c'est tes frères qui jouent et qui ne te laissent pas la place. D'accord, impeccable. Alors, peut-être un autre avantage que les jeunes peuvent trouver aussi en jouant en jeu vidéo. Par exemple, lorsqu'on doit partir en week-end ou en voyage, les trajets peuvent être longs. Oui. Donc, par exemple, toi, Héloïse, qu'est-ce que tu peux dire? Je joue aux jeux vidéo. Et oui. Et là, ça simplifie la vie des parents. Hein, là, quand on a la petite console ou le petit écran à l'arrière, effectivement, et puis ça permet aux jeunes de ne pas trop s'ennuyer. Donc, ça, effectivement, c'est un point positif. Si vous en voyez d'autres, vous avez le droit d'intervenir, monsieur, dame, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, quoi d'autre en plus dans les points positifs avant de passer aux points négatifs? Axel, tu as des idées? Tu nous dis, tu me fais signe. Hein. Non, pas d'autre chose? Vas-y. Il n'y a pas que des jeux sur les téléphones et tout. Ouais. Parce qu'il y a aussi des applications. Oui. Par exemple, il y a Instagram, Twitter et tout. Ouais. Par exemple, Twitter, c'est une application de... en fait, les gens tweetent. Ouais. Si en fait, ils posent un message. Oui. Que s'ils veulent, c'est soit c'est un message où personne peut mettre des commentaires, ou il y a un message, peut mettre un message où les gens peuvent commenter. Oui. Etc. Alors là, tu es en train d'élargir le débat en fait. On passe des jeux vidéo à tout ce qui est de l'ordre des écrans, et on retrouve un petit peu ce que disait Axel sur les réseaux sociaux, parce qu'Instagram, tout ce que tu es en train de dire, ces applications-là sont considérées comme, comme des réseaux sociaux, ouais, puisque en fait, on communique entre nous par ces applications, que ça soit Facebook, Instagram ou Twitter. Alors, on va passer maintenant un petit peu aux choses difficiles, on va dire. Quels seraient les points négatifs que vous verrez, vous, jeunes reporters, sur les jeux vidéo? C'est pas parce qu'il y a Nolan aujourd'hui qui parle beaucoup qu'il faut se taire, M. Thibault et M. Axel. Hein. D'accord. Donc, vous n'hésitez pas. Matenzo, tu veux commencer peut-être? Quels seraient les... Non. Alors, vas-y, M. Nolan. Bah, déjà, si vous portez pas de lunettes ou... À lumière bleue, ça peut vous abîmer les yeux. Oui, alors il faut continuer là. Parce que à cause des lumières bleues que les écrans produisent, ça peut abîmer les yeux. D'accord, mais il faut aller encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire que quand tu mets un jeu sur la boîte, il y a marqué quoi? Tu as déjà vu peut-être? Peggy 18. Alors ça c'est autre chose, on va en parler tout à l'heure. Non, quand tu retournes la boîte, il y a attention, crise d'épilepsie. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je le vois beaucoup. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce qu'en fait, quand on fait un jeu vidéo, il y a tellement de stimuli qui arrivent à notre cerveau que l'intensité électrique de notre cerveau va très très haut, d'accord, comme ça, et n'arrive plus à redescendre. Et donc là, le corps, il a besoin de se décharger, et on appelle ça une crise d'épilepsie. Donc, on avait parlé la fois dernière, vous vous souvenez du temps que l'on passait devant les jeux vidéo. C'est-à-dire que faire du jeu vidéo ou des écrans, monsieur Nolan, c'est pas très grave. Une heure, deux heures, au-delà de deux heures et demie par jour, il me semble qu'on arrive un petit peu vers des dangers. Alors, la crise d'épilepsie, c'est le corps qui parle, mais quoi d'autre? Il y a un mot, quand on n'arrive pas à s'enlever de quelque chose... Addiction. C'est l'addiction. On est addict par rapport à ça, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un veut essayer de donner une définition du mot addict? À part Nolan, qui a beaucoup la parole aujourd'hui. Non? Personne ne connaît ce mot addiction? Oh, c'est ça, monsieur Thibault, ouais. On a travaillé ensemble, mais t'en souviens plus. Allez, vas-y, Nolan. Normalement, en cinquième, vous allez avoir une intervention d'une société
de soit ça vient de Limoux, soit ça vient de Castel ou les deux. C'est une association qui s'appelle SAPA, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une association sur les addictions. Voilà. Et ils vous expliqueront en cinquième. Il faut une intervention en classe. Oui, voilà, ouais, c'est auprès des élèves. Exactement. En tout cas, au collège de Bram. Donc, mais pas forcément. On n'a pas répondu collèges. À la question, donc je vais passer le micro à Céline et Marion. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le principe de l'addiction ? À moins que Monsieur Francisco il veuille dire quelque chose. D'accord. Donc, alors on passe à Céline. Ça peut être que ça c'est très difficile d'arrêter de jouer à la console. Déjà, c'est de pouvoir arrêter la partie de jeu. Et se mettre dans une autre activité, c'est déjà ça. Donc quand on n'arrive pas à s'arrêter, en fait, en général, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si maman ou papa vous demande d'arrêter la console alors qu'en fait vous êtes en train de jouer et que voilà, vous n'avez pas envie? Allez, qui c'est qui veut répondre à cette question? Vous êtes tous des enfants super sages et quand on vous demande d'arrêter, ça se passe super bien, je parie. Oui. Alors Thibaut, par exemple, quand papa, maman, ils te demandent d'arrêter de jouer à la console, toi tu écoutes ou t'essaies de gagner du temps petit peu? Bon, d'accord, ok, très bien. Non, mais après, il y a des enfants, ils font des crises quand on essaie de les arrêter. Exactement, exactement, voilà, ça c'est intéressant. Ils font des crises parce qu'en fait, pourquoi ils font des crises? Mais ils veulent jouer encore. Parce qu'ils veulent continuer à jouer. Et donc, on n'arrive pas à gérer la frustration. Ouais. La frustration, c'est un principe qui est imposé à notre cerveau, d'accord, qui fait qu'on doit écouter certains ordres, certains trucs qui nous descendent du cerveau, qui viennent des parents dans un premier temps, qui viennent de la maîtresse ou du maître dans un deuxième temps, voilà, mais qui viennent nous dire stop, là il faut que tu t'arrêtes. Et en fait, on n'y est pas préparé. Et donc, on ne gère pas ses émotions. Et à ce moment-là, on a des pleurs, on a des cris, on a tout ça, tout ça. Matenzo, quand on préparait l'émission, tu me disais, toi, que les points négatifs, c'est que des fois, on est tellement attiré, on est presque aimanté par l'écran. Tu peux nous en parler un petit peu plus, peut-être, ou... Allez, on t'écoute, Matenzo. C'est courageux. En fait, le problème, c'est que quand on est attiré à l'écran, en fait, quelqu'un te demande d'aller à table, tout comme ça, là, nous, on n'attend pas, on est tellement attiré qu'on n'attend pas, en fait. C'est ça. Et quand ils répètent une fois, deux fois, trois fois, et là, ça part en engueulade. Exactement, et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème sur deux émissions, c'est parce que ça devient vraiment, vraiment un phénomène de société, et aujourd'hui on entend beaucoup de psychologues, de psychiatres venir un petit peu aider et donner, entre guillemets, la bonne parole des pratiques, sachant qu'il n'y en a pas. Voilà, ça dépend de chaque enfant, ça dépend de chaque jeu aussi, puisque Nolan a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que sur le jeu, il y a un âge, vous avez vu? Oui. Voilà. Et moi, il n'est pas rare que je rencontre des enfants qui font des jeux de plus que leur âge. Voilà. Vas-y. Alors une autre façon de voir si un enfant peut être addict, c'est si dès le matin, on pense déjà aux jeux vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo va être l'unique pensée de l'enfant. En tout cas, il va penser à ça du matin jusqu'au soir. Et il ne pensera pas forcément à d'autres activités. Voilà. Donc là, ça veut dire que l'enfant joue trop aux jeux vidéo. Impeccable. Comme on est... bien sûr en retard, on va laisser tomber le petit reportage. Nolan, tu voulais dire quelque chose? C'est pour terminer, parce qu'après on va passer à quelques recommandations. On t'écoute. Oui, c'est que aussi c'est que la plupart des soucis, c'est que en fait sur la les PEGI 18 et tout, les PEGI tout l'âge, mais il y a certains, en fait, les gens les mettent trop, des fois ils jouent trop alors que ça va beaucoup plus bas. Par exemple, Fortnite, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en PEGI 12 alors qu'ils voulaient le mettre en PEGI 7. D'accord. Parce que Fortnite, il n'y a pas vraiment trop rien de violent, en fait. Alors, on va refaire le petit tour de table avant de passer aux recommandations, parce que ça m'intéresse bien. Nolan, est-ce que tu peux nous dire un jeu auquel tu joues en ce moment? Bah, le jeu que je joue le plus, c'est Brawl Stars. D'accord. Héloïse, à quoi tu joues, toi, en ce moment? Je m'en souviens plus. Ah, si. Comment tu dis? Roblox. Ah oui, c'est ça. C'est une histoire de chevaux, non? Non, je me trompe, là je suis nul. Roblox, en fait, c'est un jeu, c'est surtout une plateforme, en fait. D'accord, où il y a plein de jeux. Ouais, c'est comme en fait, les jeux ont été créés par les personnes du... Matenzo, à quoi tu joues, toi, en ce moment, plus? À World of Warcraft. Oui, alors celui-là, je connais bien. Francisco, à quoi tu joues, toi, en ce moment, au jeu? Tu veux nous le dire, vite fait? Sans le micro, comme ça, tu me le dis à moi.
Non ? Je pense que c'est un jeu de voiture, non ? Non plus ? Bon, tant pis, j'ai pas eu de chance. Donc on va passer Déborah, parce qu'elle a dit qu'elle jouait pas aux jeux vidéo. Tu es une extraterrestre. Tu es une extraterrestre. Thibaut, ton jeu préféré ? GTA 5. GTA 5. Et enfin, monsieur Axel, à quoi tu joues, toi, en ce moment ? GTA 5. Et GTA 5 aussi. D'accord, impeccable. On va passer le micro, s'il vous plaît, à Marion, qui va terminer avec Nolan. Ils ont préparé une petite chose avec Nolan et Thibaut sur les petites recommandations, effectivement, que l'on peut mettre en place. Donc, ce sont plutôt des recommandations vis-à-vis de Internet. Donc, les 7 règles d'or de l'internaute. Je n'utilise pas Internet sans la présence d'un adulte. 2. Sur Internet, il y a des sites pour adultes et je n'y vais pas. Oui. Les textes, les photos et les musiques qui sont sur Internet ont un propriétaire. Je dois leur demander une autorisation pour les utiliser. 4. Sur Internet, on trouve beaucoup d'informations, mais elles ne sont pas toujours vraies. Je m'interroge, je cherche l'auteur et je vérifie à partir d'autres sources. Celui ou celle qui est photographié peut s'opposer à la publication de sa photo. Je respecte son choix. Oui. 6. Je suis responsable de ce que j'écris. Je m'exprime avec retenue en respectant les autres. Je ne diffuse pas d'informations malveillantes ni de propos blessants. Sur Internet, je me protège. Je ne révèle pas d'informations personnelles. Voilà, merci pour ces recommandations, effectivement, qui sont beaucoup plus Internet. Mais Marion, elles valent aussi pour les jeux vidéo. Ouais, ça marche aussi très, très bien, puisqu'en fait, ils nous ont expliqué que ça marchait en réseau. Alors, parler des jeux vidéo, on pourrait faire ça pratiquement à chaque émission, parce qu'il y a tellement de choses à aborder. On verra peut-être pour l'année prochaine si on reviendra pas un petit peu là-dessus. En tout cas, c'est un thème qui n'est pas fini. On va passer un petit jingle et je pense qu'on va faire la fin d'émission. Radio CESAD Castel. C'est la voix de radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce 9e numéro sur Radio CESAD Castel de la saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter qu'à nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche. info-ruby.radioweb.co/lavefi-1. Comment choisissez USKRK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur YouTube, tapez Radio CESAD Castel. Et vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et plein de pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. On remercie info-ruby.com, notre partenaire de nous avoir accompagné cette année scolaire. On se retrouve au mois d'octobre 2021, si bien sur le sujet
sur le projet de la web radio est reconduit. Je ferai plein de nouveaux reportages. Les jours jeunes du CESAD feront de même. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Passez une bonne semaine, c'était Déborah. Bye bye tout le monde, c'est Axel. Il est temps de... Rendez-vous bientôt, c'était Thibaut. Salut Francisco, à l'année prochaine peut-être. À la prochaine, c'était Héloïse. Au revoir, c'était Matenzo sur Radio César de Castel. Allez, bonnes vacances à tous, c'était Céline Bourruste, éducatrice. Et à la rentrée prochaine, c'était Marion Sébir, éducatrice. Radio César de Castel. C'est la voix de radio du César. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague! Radio CESAD Castel. Allez, j'ai le plaisir de pouvoir conclure cette émission et on n'oublie pas bien sûr de dire un grand merci à Nolan d'avoir été notre invité du jour, déjà pour tous les reportages, mais surtout d'avoir été notre invité aujourd'hui et d'avoir eu beaucoup de choses à dire finalement. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu bien sûr de l'émission. Radio CESAD Castel va éteindre ses micros au moins pour quelques mois. Ce fut un très grand plaisir de partager ces moments. Et il me reste d'abord à saluer la présence des parents. Merci d'être venu et de votre investissement bien sûr. Vous êtes notre premier public, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez quand même. Hein. Voilà, ça fait chaud en tout cas au cœur de nos petits reporters. Ben, certains ont eu un petit peu la frousse, on va dire, le trac en tout cas, de vous voir avec vous. Mais félicitations, le contrat est bien rempli, d'accord ? Ne vous tracassez pas. De m'excuser auprès des autres parents, surtout qui n'ont pas pu venir à cause du Covid, hein, parce que vous voyez, on est déjà un petit peu serré même aujourd'hui. Voilà, peut-être on renouvellera l'année prochaine, on verra. Et pour féliciter nos petits reporters, on leur a préparé une petite surprise. Chacun va repartir avec ce petit diplôme que je montre d'abord aux parents. Voilà, un petit reporter du meilleur reporter de la web radio de cette année. Effectivement, et c'est nominatif puisque je te remets et j'ai l'honneur de remettre ça à Miss Déborah, qui est notre vieille du groupe, on l'a dit. Hein, c'est celle qui nous apporte les bonnes choses, les bons éléments puisqu'elle l'a déjà fait. À Monsieur Nolan, bien sûr, qui a été notre invité spécial du jour et pour tous les reportages. Voilà. À Thibaut. Où est Monsieur Thibaut ? Ah ben aujourd'hui, il y a maman, hein. Dis donc, hein, on t'entend pas beaucoup quand même. Hein. Voilà. À Héloïse, qui n'a pas encore dit non dans l'émission, ça c'est génial. Donc Miss Héloïse, je te félicite de tout le travail que tu as fait cette année. Voilà. Monsieur Axel, il est où Monsieur Dico ? Eh ben voilà, Monsieur Axel, félicitations pour ta deuxième année, toi, ici à la web radio. Et on a été ravis de t'avoir parmi nous. Ah, ça sonne, il y a déjà du monde. Matenzo, félicitations d'avoir pris le projet en cours, mais vraiment félicitations de ton investissement et de ta rapidité de compréhension. Et je vais terminer par Monsieur Francisco, qui est là derrière, et que vraiment, j'aurais aimé qu'il nous dise un petit mot, mais c'est compliqué. Sachez que Francisco a assisté à 80% des émissions. Il n'a pas dit grand-chose, mais en tout cas, il était avec nous et ça, c'était vraiment super. Voilà, on peut lui remettre. Merci. Alors, il reste juste une seule phrase à dire. Une seule phrase à dire, et vous la connaissez tous, parce qu'on l'a dit à chaque fois, d'accord ? À la fin d'émission, on dit quelque chose de rituel, vous le savez. Et Louis, tu te souviens, hein ? Qu'est-ce qu'on dit à la fin ? Non, tu n'y arrives pas ? Si, tu vas t'en souvenir, c'est marqué. Tu t'en rappelles ? Alors, je vous propose qu'on le dise à trois. Tout le monde a le droit de le dire, d'accord ? Un, deux, trois, et maintenant... Silence radio ! Au revoir tout le monde !